Aujourd'hui, 5 façons pour être libre dans notre corps, pour bouger, s'amuser. Lorsqu'on fait les pas, c'est très important d'être capable de bouger, d'être fluide dans ses mouvements autant qu'avec les pas. Voici plusieurs façons de réussir. Mon poignet peut aller d'un côté et de l'autre. Donc naturellement, si je suis ici, est-ce que je peux tourner? Non, ça ne fonctionnera pas. Si je tourne mon poignet, mon corps peut tourner. Si je retourne mon poignet, mon corps peut encore tourner. Donc, votre objectif, explorer. Si je tourne mon poignet, qu'est-ce que ça me permet de faire? Deuxième exercice, mes deux poils vont vers le haut. Je les joins en haut, laisse tomber en bas. Mes deux poils vont vers le bas. Je les envoie en bas et je les remonte vers le haut. Troisième exercice pour être fluide dans ses mouvements. On va faire une roue autour des hanches. Donc, lorsque je suis ici, j'envoie mes deux poils, hop, et je tourne. Je pourrais l'essayer seulement à un poil pour commencer. Ici, mon poil est en arrière, hop, hop. Mon objectif, c'est comme si ma main était collée à ma hanche. Hop, 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 hop. Exercice que vous pourriez faire, c'est une roue autour des épaules, comme ceci. Commencez avec un poil, je suis ici, ma main ou mon petit doigt pourrait presque toucher mon épaule et hop, mon poil doit aller vers le haut lorsqu'il passe en avant de moi. Hop, et là ça va fonctionner. Ici, je pourrais seulement faire une roue autour des hanches. Par la suite, pourquoi pas mettre les deux ensemble? Dernier exercice, cinquième exercice. Je tente à ce que mes bras soient le plus droit possible. Comme si je faisais de la natation d'un côté. De l'autre côté, je pourrais changer de direction. Et naturellement, de l'autre côté. Même chose ici. En dernier, on tente de le faire à deux poils. Amusez-vous, explorez, tentez d'être capable de bouger en mouvement et de vous amuser. Le mouvement corporel est autant important que tout ce que vont faire les poils. Je vous souhaite une bonne fin de journée et amusez-vous, sortez dehors s'il fait beau, ça fait du bien.